Alors la série de cours que je propose à partir de maintenant, ça va être une série de cours consacrée à la cosmologie. Je vais commencer là par présenter un peu l'ensemble de ce qui va se passer durant les quelques séances qui vont suivre. Pour commencer, je voudrais parler du niveau du cours. Donc, il est un petit peu particulier par rapport aux autres vidéos de cours que je partage sur Internet. Ici, c'est un cours que je fais exclusivement sur Internet. L'idée là, c'était vraiment de faire une vidéo de cours. Donc, ça veut dire ça que j'ai des contraintes en moins. Ça veut dire que j'ai pas des heures de cours qui sont programmées telle ou telle date et pour lesquelles il faut absolument que je sois prêt. Donc, ce qui va se passer, ça va être fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que je donnerai les cours quand moi je me sentirai prêt à le faire. Donc, je garantis pas que ça sera fait de manière extrêmement régulière. J'essaierai de le faire le plus souvent possible et le mieux possible, mais voilà, il se peut qu'à un moment il y ait un trou de 2 semaines parce que simplement j'ai pas eu le temps de me consacrer autant à ce cours que j'aurais voulu. Il sera aussi différent du point de vue du niveau, c'est-à-dire que je vais me mettre aucune censure, je ne vais pas me censurer sur le niveau de ce que je vais donner ici. En gros, ça va être un cours qui, disons, va se situer à peu près à la fin de la licence, de la troisième année de licence, fin de L3, début de M1, mais je ne vais pas m'interdire de dire des choses extrêmement plus simples, des choses qu'à la limite que peuvent regarder un lycéen, ni d'ailleurs dans l'autre sens de faire des choses qui relèvent plutôt du M2, voire qui pourraient concerner un doctorant. Donc je vais un petit peu mélanger tout ça. Quand j'ai besoin d'aller dans un détail technique, je le ferai. Et quand j'aurai besoin de dire des choses très générales, je le ferai aussi. Voilà. Donc ça veut dire que si vous regardez vous ça avec un niveau donné, bah, il y a peut-être des moments où il faudra passer en avance rapide. Voilà. J'essaierai d'identifier les moments où ça sera des parties plus difficiles. Et je vous dirai bah, là, en gros, passez les 10 prochaines minutes si effectivement vous pensez ne pas avoir le niveau requis. Bon. J'ai dit que ça sera un cours de cosmologie. Je vais commencer par dire ce à quoi s'intéresse la cosmologie. La cosmologie, c'est l'étude de l'univers dans lequel on vit. C'est l'étude de ce qu'il contient, donc l'étude de ce qu'il y a autour de nous. L'étude de la structure de l'univers lui-même, parce que ça, c'est quelque chose de vraiment important. On verra que l'univers a une structure, plus précisément, il a une géométrie. Et donc, il peut être notamment courbe. On vit peut-être dans un univers qui est courbe, et je passerai un petit peu de temps à expliquer ce que ça veut dire que ça. J'ai mentionné la structure de l'univers et son contenu. Il y a aussi son évolution. Parce que ça, c'est aussi quelque chose de fondamental qu'on sait depuis à peu près 100 ans. L'univers, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique qui évolue. Et on peut s'intéresser à cette évolution. Il se trouve que ces trois aspects sont reliés. Le contenu, la structure et l'évolution de l'univers, ce sont des points qui s'interpénètrent. Étudier l'un ne peut pas se faire sans étudier les autres. Une partie de la cosmologie, ça va être vraiment ça, étudier l'évolution de l'univers. En relation avec ce qu'il contient et avec sa structure. Tout ça, on va le faire en s'appuyant sur la physique. Je ne l'ai pas encore dit, mais il va s'agir d'un cours de physique. Et les théories qui nous permettent de comprendre comment l'univers évolue au cours du temps, bah, il y a d'abord la relativité générale. La relativité générale, c'est une théorie de la gravitation qui, quand on l'applique à l'univers tout entier, nous dit des choses sur la façon dont il évolue. Donc ça va s'appuyer sur ça. Alors ne prenez pas peur, si vous n'êtes pas expert de relativité générale, ce n'est pas du tout un problème. Il y aura quelques petites démonstrations que je ferai à un moment donné que vous pourrez sauter. Et assez rapidement, en fait, en cosmologie, on tombe sur des équations qui ne font plus appel à la relativité générale et qui permettent de décrire l'évolution de l'univers. Ces équations, ça s'appelle les équations de Friedmann-Lemaître. C'est une des premières choses sur lesquelles je parlerai quand j'en viendrai vraiment au fond de ce que je veux raconter. Donc il y a la relativité générale. On verra qu'il y a aussi de la physique fondamentale comme la mécanique quantique, et plus précisément, plus que la mécanique quantique, il y a la physique des particules, la physique des hautes énergies en général, la physique atomique. Et enfin, on verra que ça s'appuie aussi de toute façon sur l'ensemble de la physique. Il y aura de l'optique, il y aura de la thermodynamique, il y aura de la mécanique. Voilà. C'est ça qui est aussi intéressant en cosmologie, c'est que ça mélange vraiment beaucoup de domaines. Ça permet de brasser différents domaines, de les mélanger et de les étudier les uns avec les autres. Donc ça, vous vous en rendrez compte assez rapidement dans ce qui va suivre. Et alors le genre de questions qu'on va se poser en cosmologie, c'est le genre de questions suivantes. Bah, étant donné ce qu'on observe autour de nous, on observe qu'il y a des galaxies un peu partout qui sont réparties d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce qu'on peut, à partir des lois de la physique qu'on connaît et d'un état
de l'univers qui serait plus simple que celui d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut arriver à comprendre comment ces structures se sont formées, comment l'univers a évolué d'un état simple à l'état plutôt complexe qu'on observe aujourd'hui? Et le truc vraiment remarquable, c'est que la réponse est oui, on peut. La physique permet de comprendre comment est-ce qu'on peut partir d'un état de l'univers relativement simple, comment cet univers évolue et arrive à un univers aujourd'hui relativement complexe. On reviendra sur cette notion de complexité. Mais voilà, en faisant appel à de la physique qui n'est pas du tout spéculative, en faisant appel à la relativité générale, aux lois de la physique des hautes énergies et puis à la mécanique et tout ça, bah on peut effectivement comprendre ça. Donc c'est vraiment quelque chose de remarquable et de passionnant du coup à explorer et on le fera en détail dans ce cours. Alors je vais quand même mettre un petit bémol à ça. J'ai dit tout à l'heure que pour comprendre la façon dont l'univers évolue, il faut comprendre son contenu. Et alors on va voir qu'en cosmologie, effectivement, on arrive à cette compréhension de la façon dont l'univers évolue, mais en faisant l'hypothèse que l'univers contient quelque chose en plus de ce qu'on voit effectivement, ça s'appelle la matière noire. Donc il faut faire l'hypothèse que l'univers est constitué en grande partie de quelque chose, peut-être une substance nouvelle, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais est composé de quelque chose qu'on ne voit pas directement aujourd'hui et dont, en toute honnêteté, on ne connaît pas la nature. Voilà. Alors ça peut sembler miner un petit peu l'enthousiasme que je mettais au début. Je disais, ouais, avec la physique, on arrive à comprendre comment l'univers évolue, mais bon, d'un autre côté, il faut rajouter une composante, ou plusieurs, en fait, de la matière noire et de l'énergie noire, dont on ne connaît pas la nature. Donc est-ce que c'est vraiment un succès ou pas? Donc moi, je suis persuadé que oui. Et en tout cas, ce que je veux vous montrer ici, c'est pas vous convaincre que oui ou non, mais c'est vous montrer ce que dit la physique. Voilà. Donc je vais essayer de mettre vraiment assez peu d'opinion dans ce que je veux faire ici. Il ne s'agit pas de vous donner mon opinion sur la façon dont l'univers évolue, parce que j'en ai pas, de toute façon. C'est vraiment de vous montrer ce que la physique nous permet de dire sur l'univers qui nous entoure. C'est vraiment ça. Au passage, toutes les questions humaines, toutes les questions théologiques aussi sur l'origine de l'univers et tout ça, sur la place de l'homme dans l'univers, ça ne va pas m'intéresser du tout. Je ne vais pas en parler dans ce cours. Encore une fois, ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer ce que dit la physique sur notre univers. Donc c'est un cours de physique. J'ai dit que c'était un cours de physique? Ouais, hein, ok. C'est un cours de physique. Je vais rentrer dans le vif du sujet. La cosmologie, c'est l'étude de l'univers qui nous entoure. Qu'est-ce qu'il y a dans l'univers qui nous entoure? Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde dans le ciel? Bon. Ça, j'en parlerai au prochain cours de manière détaillée sur ce qu'on voit, comment on le voit, etc. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on observe que les objets qui nous entourent, les objets lointains qui nous entourent, semblent s'éloigner de nous. Et on l'interprète ça en disant que l'univers est en expansion. On vit dans un univers qui est en quelque sorte de plus en plus grand. Je reviendrai sur cette notion d'expansion qui est quand même très subtile. C'est plus subtil que simplement c'est quelque chose en train de gonfler. Mais voilà, pour ce que je vais dire ici, cette image suffit. Voilà, l'univers, c'est quelque chose qui vient de plus en plus grand, du coup de moins en moins dense. Son contenu est en train d'être dilué parce que l'univers s'expand. Cette observation selon laquelle l'univers s'expand, si on la prend au sérieux, elle nous dit des choses vraiment remarquables sur le passé de l'univers. Si l'univers est de moins en moins dense, ça veut dire que dans le passé, il l'était plus qu'aujourd'hui. On peut, sans grande difficulté, se convaincre que du coup, il était aussi de plus en plus chaud. Et donc remonter l'histoire de l'univers, c'est remonter un état de plus en plus dense et de plus en plus chaud. Et quand on fait ça, quand on considère un milieu qui est de plus en plus dense et de plus en plus chaud, ben, il y a certaines valeurs de la densité et de la température pour laquelle il commence à se passer des choses nouvelles. En particulier si l'univers devient tellement dense et tellement chaud que les atomes ne peuvent plus exister en tant que tels. Ça s'appelle l'ionisation, le fait que les électrons qui sont autour des noyaux atomiques se détachent en quelque sorte de leurs atomes. Ben, voilà, ça arrive à haute température. Dans l'univers suffisamment jeune, les atomes devaient être du coup ionisés. Les atomes n'existaient pas, on devait avoir ce qu'on appelle un plasma qui contenait des noyaux, des charges positives et des électrons d'autre part. Si on remonte encore plus tôt dans le passé, avec une densité encore plus élevée et une température encore plus élevée, les noyaux eux-mêmes devaient être instables et les noyaux devaient être décomposés en leurs constituants, qui sont les protons et les neutrons, et on devait avoir du coup un plasma qui contenait des protons, des neutrons, des électrons, et éventuellement d'autres choses, on y reviendra tout à l'heure. On peut remonter ça encore plus dans le passé et se rendre compte que les neutrons et les protons eux-mêmes, encore plus tôt dans le passé de l'univers, devaient être décomposés dans leurs constituants élémentaires, qui sont les quarks et les gluons.
Donc voilà, en remontant suffisamment dans le passé, on peut arriver à un état dans lequel l'univers c'était ce qu'on appelle un plasma de quarks et de gluons, dans lequel ces différentes particules n'étaient pas liées entre elles pour former des nucléons, du coup pas des noyaux et du coup pas non plus des atomes. Un autre point remarquable, c'est qu'on peut faire ça de manière quantitative, c'est-à-dire à partir des équations de Friedmann-Lemaître dont j'ai parlé tout à l'heure et que je démontrerai la prochaine fois. On peut effectivement calculer comment évolue la température quand on remonte dans le passé. Et donc on peut savoir, si on remonte 1 milliard d'années dans le passé, quelle était la température. Si on remonte 10 milliards d'années dans le passé, quelle était la température, etc. On peut le faire ça. Et il y a un truc remarquable, c'est que les équations qui décrivent ça, elles nous amènent à une singularité de temps, c'est-à-dire il y a un temps initial, un temps zéro, je vais l'appeler ça, au-delà de laquelle on ne peut pas remonter les équations. On ne peut pas appliquer les équations parce que la densité devient infinie et la température devient infinie. Voilà. Si on prend la densité actuelle, qu'on prend les équations qui décrivent l'évolution de la densité et de la température et qu'on déroule ces équations dans le passé, il y a un temps zéro à laquelle on obtient des valeurs infinies. Ce temps, je vais l'appeler t égale 0 ici. Alors, premier point de vocabulaire, certaines personnes appellent cet instant-là l'instant initial ou le Big Bang, le moment du Big Bang. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que moi je veux employer le mot Big Bang dans ce cours. Aujourd'hui, on appelle plutôt Big Bang l'ensemble de l'histoire thermique de l'univers que je vais raconter ici, depuis aujourd'hui qui va se trouver complètement à droite sur mon schéma, et jusqu'à un instant suffisamment reculé dans le passé. Ce temps t égale 0, là, donc c'est une singularité mathématique. Voilà, on prend bêtement les équations qui décrivent l'évolution de la densité, on les remonte dans le passé, et on s'aperçoit qu'il y a un temps initial. Ça ne veut pas dire qu'il existe physiquement, que l'univers a démarré à ce moment-là. En fait, ce qui se passe, ici on a une sorte de voile pudique, voilà, qu'il faut jeter sur cet instant initial, parce que les équations qui nous permettent de remonter à ce temps t égale 0 cessent d'être valides à un instant qui est non nul, à un instant qui est ici, qui est extrêmement court, sur lequel je reviendrai plus tard. Mais en tout cas, quand on remonte dans le passé dans cette direction-là, il y a une barrière ici qui nous dit attention, ici vos lois de la physique ne sont plus correctes, il faut trouver des nouvelles lois, et il se trouve qu'aujourd'hui on ne les connaît pas. J'y reviendrai dans le détail, ça serait de la gravité quantique qu'il faudrait savoir faire pour remonter là, et personne ne sait faire aujourd'hui. Bon. Ceci dit, du point de vue strictement mathématique, on peut définir un temps initial, le temps auquel nos équations deviennent singulières, voilà. Et même si physiquement ça correspond à rien, ça fournit un bon point de repère pour noter le temps écoulé, en fait. Donc ça va être un repère temporel pour moi, et les dates que je vais donner ici, les durées écoulées, ça va être à partir de cet instant initial-là. Bon. Le point de départ auquel on peut raconter l'histoire, là j'ai dit qu'en remontant dans le passé, on arrivait à un moment où les quarks et les gluons étaient séparés les uns des autres. Ben voilà, ça s'appelle plasma de quarks-gluons et on peut commencer à raconter l'histoire à partir de ce moment-là. Je vais raconter l'histoire à partir de ce moment-là. Et ce qui se passe quand l'univers s'expand et donc devient moins dense et devient plus froid, se refroidit, et ben on a une sorte de transition de phase qui se produit et les quarks et les gluons s'assemblent entre eux pour former des neutrons. Des protons. Voilà. Donc, on appelle ça des nucléons, en fait. Hein. Voilà. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent être présentes. On peut avoir des électrons. On peut aussi avoir l'antiparticule des électrons, c'est-à-dire les positrons, donc de l'antimatière. On peut aussi avoir ici des antineutrons et des antiprotons. Bon, je reviendrai sur l'antimatière tout à l'heure. On peut avoir d'autres particules aussi plus lourdes que les électrons et les positrons. Je vais simplement mettre des petits points ici pour indiquer que ce n'est pas tout. Voilà. On a une composition qui peut contenir d'autres choses que ça. Et ça, cette transition de phase de là à là, elle se fait à une température de l'ordre de 10 puissance 12 Kelvin quand l'univers est âgé de quelques microsecondes. Quand je dis est âgé 2, hein, ça veut dire pour moi ici, le temps qui sépare cet événement du temps t égale 0 mathématique ici est de l'ordre de la microseconde. Ça, cette étape-là, ça s'appelle la baryogenèse. Baryo parce que ça produit les baryons, et genèse parce que ça les produit. Quand l'univers continue à se refroidir, ces protons et ces neutrons peuvent s'assembler pour former des noyaux atomiques. On a encore les électrons, on a encore éventuellement d'autres particules, trois petits points. Voilà. Et cette étape s'appelle la nucléosynthèse. Même plus précisément, ça s'appelle la nucléosynthèse primordiale.
Primordial parce que ça se fait dans l'univers primordial. Il y en a d'autres des nucléosynthèses. Les noyaux peuvent aussi se former dans les étoiles. On appelle ça alors la nucléosynthèse stellaire. Ça peut aussi se former dans des événements très violents, des explosions, et on appelle ça alors la nucléosynthèse explosive, par exemple dans des explosions de supernovae. Et là, ça se produit à une température de l'ordre de 10 puissance 9 Kelvin. Et l'âge de l'univers est ici de quelques minutes. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui se fait à l'échelle humaine, ça serait quelque chose de très court. Bon, ben là, de toute façon, il n'y avait pas d'humains, il n'y avait pas de galaxies, il n'y avait pas de planètes, il n'y avait rien. Voilà, enfin, il y avait ça, des noyaux et des électrons. À cette étape-là, les noyaux et les électrons n'ont pas l'énergie suffisante pour se lier entre eux pour former des atomes. Donc on a ici encore ce qu'on appelle un plasma, voilà, des charges positives et des charges négatives qui sont libres les unes par rapport aux autres. Quand l'univers se refroidit, ils peuvent se combiner entre eux pour former des atomes, du coup des atomes neutres. Voilà, alors cette étape, elle a un nom bizarre, ça s'appelle la recombinaison. On y reviendra en détail sur ça. Et ça se fait quand l'univers il a à peu près 400 000 ans. Et ensuite, ces atomes, donc, qui sont ici sous la forme de gaz avec de légères inhomogénéités, peuvent se condenser entre eux, s'effondrer sur leur propre poids. Donc les régions plus denses peuvent s'effondrer sous leur propre poids et former les structures qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les galaxies, les amas de galaxies, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la formation des grandes structures. Voilà. Et nous, notre place aujourd'hui là-dedans, c'est que ben voilà, on est dans un univers qui contient effectivement des structures. Dans les galaxies, se sont formées des étoiles avec des systèmes solaires, des planètes, des petits bonhommes, et nous, on est dessus. Et donc, nous, on est là. Voilà. Avec un âge de l'univers d'environ 13,8 milliards d'années. Alors voilà, c'est à cette histoire qu'on va s'intéresser dans ce cours de cosmologie, à chacune des étapes qui sont ici. Alors déjà, ce qui est remarquable, hein, vous voyez, c'est qu'on a une dynamique d'échelle de temps assez importante, hein. Dans un univers qui a à peu près 14 milliards d'années, certains événements vont se produire avec une échelle de temps de l'ordre de la microseconde, d'autres la minute, d'autres le millier d'années, etc. Bon. Donc ça va faire intervenir de la physique qui sera probablement de nature très différente entre là, là, là et là. Bon. Un autre point remarquable, c'est que chacune des étapes qui sont ici donne lieu à des comparaisons possibles avec le monde qui nous entoure. Alors, de la manière dont je l'ai dit là, ça ne veut rien dire. Je recommence. Chacun des événements qui sont là, par exemple la nucléosynthèse primordiale ici ou la recombinaison, c'est des événements qu'on peut étudier de manière théorique, c'est-à-dire qu'on peut, à partir d'un état initial ici, appliquer les lois de la physique et voir comment vont être formés les noyaux. Donc on peut prédire, par exemple, avec des calculs de nucléosynthèse primordiale, calculer la quantité de noyaux qui va être formée dans l'univers et la composition des noyaux. Quelle va être, par exemple, l'abondance de noyaux légers, bah l'abondance d'hélium, l'abondance de lithium, de béryllium. Voilà, ça c'est des choses qu'on va pouvoir faire. Et il se trouve que ça, on peut aussi le comparer avec le monde qui nous entoure parce qu'on a plusieurs moyens de mesurer la quantité de noyaux qu'il y avait dans l'univers primordial. Donc la nucléosynthèse primordiale, c'est vraiment du coup, ça fournit un moyen de comparer les prédictions théoriques de la cosmologie à des observations. Et donc ça donne un moyen de vérifier qu'effectivement, on n'est pas en train de faire quelque chose de complètement délirant. Ça permet de conforter ou de mettre à mal, hein, enfin, en tout cas de tester la vision qu'on a de la physique qui gouverne l'évolution cosmologique. Donc ici, avec la nucléosynthèse primordiale, on a effectivement un moyen d'aller mesurer la quantité de noyaux et de comparer ça à des calculs de physique nucléaire. Donc là, ça va faire intervenir de la physique nucléaire. C'est pareil dans cette étape-là pour la recombinaison. Ici, quand les noyaux se combinent avec les électrons pour former des atomes, là aussi, on a des observables qu'on peut comparer à des calculs théoriques. Et en fait, là, il se trouve que c'est vraiment une des observables majeures aujourd'hui en cosmologie. Et pour comprendre d'où vient, il faut juste que je dise quelque chose en plus dans l'étape qui est là. Quand on passe de l'ensemble noyau-électron aux atomes,
L'univers change vraiment drastiquement de nature, c'est-à-dire qu'ici on a un plasma, on a des charges plus et des charges moins qui sont mélangées, qui forment des gaz qui s'interpénètrent. Et il se trouve que la lumière et les ondes électromagnétiques en général se propagent très mal dans les plasmas. Les ondes électromagnétiques sont toujours diffusées par les charges, donc elles essayent de se propager un peu, pas faire rencontre une charge positive, elles sont diffusées d'un côté, elles rencontrent une autre charge, elles sont diffusées de l'autre. En fait, ça, c'est une propagation qui est extrêmement difficile, une propagation qu'on dit diffusive, et ça se comporte comme un brouillard. C'est translucide, en gros, si vous voulez, l'univers est translucide, tout se passe comme si ici la lumière était émise dans un brouillard. Quand les atomes se forment, ça change tout d'un coup, parce que les atomes, ce sont des quantités qui interagissent beaucoup moins avec le rayonnement. Ça interagit un peu, mais beaucoup moins. Et l'univers devient quasiment transparent à ce moment-là. Et donc, ce qui se passe entre cet état-là et celui-là, donc quand les atomes se forment, c'est que l'univers d'un coup devient transparent, et du coup, la lumière qui était piégée dans le brouillard peut se propager librement. Et cette lumière, on la détecte aujourd'hui. On la détecte dans le domaine des micro-ondes, ça je reviendrai vraiment dans le détail, mais l'observable qu'on a ici, c'est la quantité de micro-ondes qu'on voit dans le ciel autour de nous, la quantité de rayonnement radio en fait, hein, qu'on voit autour de nous dans différentes directions. On appelle ça le CMB pour Cosmic Microwave Background en anglais. J'utiliserai souvent l'acronyme anglais par habitude, CMB, mais en français ça serait rayonnement de fond cosmologique. Je vais mettre en jaune les grandeurs observables auxquelles on a accès. Ici, ça serait les abondances des noyaux légers. On verra pourquoi léger dans la suite. En tout cas, ça, c'est vraiment le rayonnement de fond cosmologique. C'est une mine d'informations précieuses. C'est observé de manière extrêmement précise. Il y a des milliers de personnes qui bossent dans des collaborations pour observer ça de manière de plus en plus précise. Voilà, il y a vraiment toute une communauté des cosmologistes qui travaillent sur ça. À la fois du point de vue théorique, qu'est-ce qu'on attend, et du point de vue observationnel, comment on mesure ça. Voilà, il y a des satellites notamment qui font ça. Vous avez tous vu, probablement entendu parler de Planck, le plus récent d'entre eux, qui est en train, en ce moment même, de sortir des résultats nouveaux. Ça, c'est tout. L'étape de là à là, l'étape des atomes à la formation des galaxies, ben là aussi ça laisse des traces qu'on peut observer. Là, en fait, c'est les traces les plus évidentes et les plus visibles, c'est-à-dire les galaxies. Et la façon dont les galaxies, les amas de galaxies, tout ça sont distribués autour de nous, la manière dont les galaxies se sont groupées entre elles pour former des amas, ben tout ça contient des informations sur la physique qui permet de passer de là à là et aussi sur l'état initial, du coup, dans cet événement-là, l'état initial qui est le gaz atomique qui se trouvait là. Bon. Donc quand on observe la manière dont les galaxies sont distribuées autour de nous, ça permet aussi de tester les modèles cosmologiques, de voir si on comprend comment l'univers évolue. Et donc là, je vais mettre l'observable, ce sont les grandes structures cosmologiques. Alors vous voyez que j'ai. Alors c'est peut-être un petit peu confus, je vais essayer de revenir de manière synthétique sur ça. La cosmologie, c'est une histoire, voilà. Chaque étape dépend de la précédente et on peut partir de chacune de ces étapes et en déduire la suite. Je veux vraiment insister sur le fait que ce qui intervient là-dedans, c'est vraiment de la physique connue, conventionnelle, standard. Il n'y a vraiment rien, rien, rien de physique nouvelle. Quand on étudie, on va dire, à partir d'ici. Si on part d'un ensemble de protons, de neutrons, d'électrons, de positrons, d'un ensemble de particules dont je préciserai la nature dans un prochain cours, on applique les lois de la physique et ça se déroule quasiment tout seul. Voilà. On arrive à partir de là, finalement, à des galaxies qui peuvent contenir à la fin des soleils, des planètes et des petits bonhommes. Avec un bémol toutefois, c'est qu'il faut ajouter là-dedans de la matière noire pour que ça marche. Et cette matière noire, on ne sait pas aujourd'hui de quoi elle est faite. Donc, bon, je reviendrai vraiment en long, en large, en travers sur le problème de la matière noire. C'est mon domaine de recherche. Donc, voilà, ça m'intéressera d'autant plus de consacrer un cours vraiment à ça.
Alors, j'ai mentionné l'antimatière tout à l'heure. J'ai dit que dans l'état initial qui est ici, là, quand l'univers est suffisamment chaud, ici à 10 puissance 12 Kelvin, là-dedans, on avait aussi de l'antimatière. Bah, effectivement, quand on a un gaz qui est chaud, si la température devient suffisamment importante, il peut spontanément se créer des paires de matière-antimatière, des paires de particules et d'antiparticules. Et donc, un milieu suffisamment chaud nécessairement contient de l'antimatière. Et si on part d'un état comme ça à l'équilibre thermodynamique, on s'attend à ce que cet état contienne autant de matière que d'antimatière. Du coup, ça soulève un problème vraiment important dans la cosmologie moderne. C'est s'il y a autant de matière que d'antimatière ici, où est-ce, à quelle étape ici est-ce qu'on arrive finalement à un univers qui est fait plutôt de bonhommes que d'antibonhommes, ou plutôt de galaxies que d'antigalaxies? On a l'impression, quand on observe autour de nous aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que des galaxies, on ne voit pas d'antigalaxies. Donc, on peut repousser assez loin. Si on se demande où est l'antigalaxie la plus proche, si on a une, mais en fait, elle est extrêmement loin. Donc, on vit, nous, dans un univers local qui est fait de matière et non pas d'antimatière. Et à quel moment est-ce que cette symétrie entre matière et antimatière est brisée? Ça, c'est une question qui se pose. On entend ça parfois comme où est passée l'antimatière? Voilà, c'est une manière de dire les choses, mais c'est un problème sur lequel je reviendrai aussi dans ce cours. Alors, je viens de mentionner que cette histoire-là, on peut la raconter en faisant appel à de la physique non spéculative. Alors, ça devient un peu moins vrai quand on se rapproche comme ça de cet instant. Cet instant origine. En particulier, ici, la formation des neutrons et des protons à partir d'un plasma de quark gluon, ça, c'est quelque chose déjà qui est un petit peu moins connu. Alors, les équations qui permettent de passer de là à là, on pense qu'on les connaît. C'est basé essentiellement sur le modèle standard de la physique des particules. On a même un moyen d'étudier ça de manière expérimentale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en accélérateur, on arrive, pendant des temps très brefs, à former des plasmas de quark-gluon en envoyant les uns sur les autres des neutrons et des protons, en fait des noyaux lourds, voilà, qu'on envoie les uns sur les autres, et ça fait pendant un instant très fugace un plasma de quark-gluon qu'on peut étudier, dont on peut étudier certaines des caractéristiques. Donc ça, c'est aussi une étape qu'on peut étudier de manière expérimentale en accélérateur. C'en est encore aujourd'hui à ses débuts, mais on arrive quand même à savoir des choses. Je veux quand même, en toute honnêteté, dire que c'est une étape sur laquelle il y a pas mal de questions ouvertes. C'est quelque chose qu'on connaît encore assez mal, le passage de là à là. Et alors, puisqu'on en est aux choses qu'on connaît mal, on a des bonnes raisons de penser aussi qu'il y a un événement qui est ici aussi, encore avant ça, qui s'appelle l'inflation. On a des raisons de supposer que très tôt dans l'univers, il y a eu une phase pendant laquelle l'univers s'est expandu de manière extrêmement rapide, voilà, d'un facteur extrêmement grand. Il est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand en très, très, très peu de temps. On appelle ça l'inflation. Je reviendrai en détail sur les raisons pour lesquelles on suppose ça. Mais ça, c'est aussi du coup une étape qu'on ne connaît pas bien du point de vue théorique. Il y a plusieurs manières d'expliquer cette phase d'inflation. Voilà, et donc c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de gens aussi, beaucoup de théoriciens qui travaillent aujourd'hui. J'essaierai dans ce cours de vous parler à la fois de théorie et d'expérience, c'est aussi ça qui est intéressant pour moi en cosmologie. Il faut bien voir que la cosmologie, ce n'est pas juste des calculs et quelqu'un qui se dit waouh, l'univers est en expansion parce que je fais de la relativité générale et les équations de la relativité générale me disent qu'on est dans un univers en expansion. Ce n'est pas ça du tout, hein. C'est vraiment quelque chose. La cosmologie, c'est vraiment un ensemble de prédictions théoriques qu'on peut comparer à tout un tas d'observations expérimentales. Et c'est des expériences. Il y a des gens il y a beaucoup d'expérimentateurs qui travaillent en cosmologie. La cosmologie contient beaucoup d'expérimentateurs. Et même en nombre, elle en contient même certainement beaucoup plus que de théoriciens. Il y a aussi des théoriciens, et donc j'essaierai dans ce cours de laisser la part aux deux pans. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, mon métier, c'est d'être plutôt du côté théorique. Je suis pas vraiment un théoricien de la cosmologie, mais je suis encore moins un expérimentateur de la cosmologie. Moi, je fais plutôt ce qui s'appelle de la phénoménologie. Donc, je m'intéresse à certaines des prédictions qui sont là-dedans. Voilà, ce qui est lié à la matière noire, notamment. Je parlerai de mon travail une autre fois, mais dans un contexte vraiment très particulier lié à ce cours. Bon. Alors ça clôt ce que je voulais raconter ici. Je veux quand même finir en ajoutant quelque chose sur les ressources dont on peut avoir besoin quand on s'attaque à de la cosmologie. Il se trouve qu'il y a des ouvrages, des livres qui sont vraiment très très bien faits. Donc ce que je vais présenter moi dans ce cours va être assez fortement inspiré du cours que moi j'ai eu, que j'ai subi.
on va dire. Subi, c'est pas un bobo, parce que c'était vraiment une super expérience. Moi, j'avais suivi un cours donné par Pierre Salati quand j'étais à l'époque en DEA. Ça s'appelait un DEA, c'était l'équivalent du M2 maintenant. Et Pierre s'était pas mal inspiré d'un livre de Steven Weinberg qui s'appelle Cosmologie. Voilà. Enfin, c'est un livre de relativité générale qui comptait une grosse partie sur la cosmologie. Et du coup, moi, je me suis aussi inspiré de ce livre pour apprendre, pour développer les connaissances. Donc, du coup, il y a des choses là-dedans qui seront assez proches de ce qui est fait dans ce livre de Weinberg. Donc, ce livre, il date des années 1970. Donc, depuis, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on sait en plus, qu'on a comprises en cosmologie, donc qui ne sont pas dans le livre de Weinberg. Mais pour certains fondements, ça reste vraiment très valable. Donc, c'est un livre que je conseille. En français, vous avez. Alors, ce livre de Weinberg, il est en anglais. En français, on a la chance d'avoir un superbe bouquin de cosmologie de Peter et Usan. Donc il est en français, il était traduit en anglais si ça vous amuse de lire en anglais, mais il est écrit en français, c'est vraiment remarquable de leur part de l'avoir fait. Il est vraiment extrêmement complet, bien écrit. C'est un bouquin dont le niveau, lui, est quand même plutôt M2, voire doctorat recherche. C'est quand même très pédagogique et c'est vraiment très bien fait, donc je le conseille vraiment, vraiment très fort. Il y en a d'autres, moi, un bouquin que j'aime bien en anglais ce coup-ci, c'est le livre de Peacock, dans lequel il prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'espace pour revenir sur des choses fondamentales. Qu'est-ce que l'expansion? Quelles sont les grandes erreurs liées à l'idée d'expansion? Les erreurs qu'on se fait en vulgarisation, mais aussi parfois quand on étudie ça. Bon, j'y reviendrai ça quand je parlerai d'expansion. Voilà. Vraiment au fil du cours, de manière ponctuelle, j'essaierai de vous donner des pistes bibliographiques diverses et variées. Donc ça clôt ce que je voulais dire aujourd'hui. Je m'intéresserai la prochaine fois sur la manière observationnelle de faire l'inventaire de ce qui se trouve autour de nous dans l'univers actuel.